Salut à toutes et à tous, c'est Crane et oui, une nouvelle vidéo d'annonce après celle d'hier. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, pour le live avec Atomium, ce sera décalé à demain 15h. Voilà, il n'était pas en super forme. Il aurait pu le faire ce soir, mais il m'a dit ça te dérange pas si on le décale demain. Je lui ai dit pas de souci. Voilà, donc on décale demain à 15h pour le live sur le nanar qui fait peur. Et en plus, comme ça, on aura un peu moins peur, c'est en journée, c'est bien. les arnaques. Donc demain, 15h, si vous voulez voir le live avec Atomium, ce sera très très cool. Dimanche soir, on remet ça sur Star Citizen avec Fred. Donc je ne sais pas à quelle heure ce sera, probablement vers 20h aussi. Il est possible que j'en fasse avant dans la journée. Mais il est aussi possible que j'en fasse plus tôt. Pourquoi ? Parce que je suis accro. Là, ça y est, hier, en déconnectant du jeu, j'ai eu envie d'en faire encore plus. Donc, à mon avis, ce soir, vers 20h, il y aura encore du Star Citizen sur la chaîne. Encore en parlant de Star Citizen, à 17h, vous aurez la VOD de la session avec Fred qui sort sur YouTube. Et sinon, l'autre annonce, eh bien, c'est que pendant 72 heures, on fait un event avec plein de streamers qui s'appelle les Confinés Solidaires, qui sont au profit de 4 associations. La Croix-Rouge, 101, donc qui s'occupe de réanimation. On a l'Abbé Pierre, la Fondation l'Abbé Pierre, et la quatrième que j'ai déjà oubliée, les Hôpitaux de Paris. Voilà. Donc habituellement, je fais très peu de live caritatif parce que ça m'embête sur plusieurs points. Des fois, je trouve que c'est plus pour faire de la com ou faire mettre en avant sa chaîne ou mettre en avant une personne parce que ça va s'appeler l'event de Billy et tout ça. Là, ça s'appelle Les Confinés Solidaires. J'aimais bien le titre. C'est MV qui me l'a présenté. J'ai bien aimé le message qu'il m'a envoyé. J'ai trouvé ça simple. J'ai trouvé ça loin de toute forme d'ego ou de quoi que ce soit. Du coup, ça m'a donné envie de participer. Il y a toujours aussi la question de... Enfin, si vous êtes un petit peu engagé politiquement, tout ça, oui, mais c'est un petit peu un leurre de responsabiliser les gens quand ça devrait être à l'État. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je pense aussi que tout ce qui est individuel, toute forme d'aide peut être très bienvenue aussi. Donc si vous voulez venir sur la chaîne pendant ces 72 heures pour aider, il y aura un petit message, point d'exclamation, don, et c'est toujours très très bien de le faire, voilà, comme vous le pouvez, comme vous le voulez. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite sur le live, avec en plus une petite surprise, j'ai failli oublier, il y a tellement d'infos, il y a trop de choses. J'ai pas envie de faire du Dark Souls 2 aujourd'hui, donc je pense que je vais découvrir Sekiro. Voilà, bon, je vous préviens au dernier moment, je suis désolé, mais ça m'a pris là tout de suite, j'ai envie de découvrir Sekiro. Donc découverte de Sekiro cet après-midi, je vais attendre une dizaine de minutes pour être sûr que les gens de YouTube qui voient la vidéo tout de suite puissent venir sur le live. Et ce soir, du Star Citizen, demain avec Atto à 15h, dimanche soir avec Fred sur Star Citizen. Et merci à tous ceux qui aideront pendant les confinés solidaires. Ciao ciao tout le monde !